Hey, c'est la gang! On est enfin là pour le box break de SP Authentique. Vous pouvez voir le numéro de série juste ici. C'est le 020-89-216. Ok, félicitations à tout le monde. Fait que numéro 1 en haut, Martin Tremblay. Deuxième, Michel Nolin. Martin Tremblay, numéro 3. Numéro 29, Washington, c'était mon ami Yann. Je pense que c'était Richard Royer qui avait Pittsburgh. Fait que bonne chance tout le monde. Fait que il y en a au moins une. Il va y avoir des rookie patch, je peux avoir toutes. Une belle rookie patch là, sur Sam Crosby, ça pourrait être le fun aussi. Fait que on va arrêter de décoller. Ça marche, on a encore le retour, puis sinon, on va mettre ça juste ici. Ok, hop, on va voir la boîte, elle est vide. Ok, on y va, on commence tout ça par un premier paquet. Bon, sont vieux, sont bien scellés. Non, j'espère qu'il va être plus facile les autres à ouvrir. Ok, on y va. Non, c'est pas sur le bon bord. Ce qu'en arrière n'est pas sur le bon bord non plus. Il y a une base ici, une autre base. Une autre base. Ok, un beau paquet de bases. Bon. Paquet, c'est pas juste des bases, tout le paquet, toute la boîte, une base de Martin Saint-Louis, Ribeiro, Mark Rickey, Cole Zig, Sarki Samsonov, je sais pas s'il joue encore lui, Sarki Samsonov, ok, un Fritz Watch It, Matt Green, ça va aux Oilers, fait que un hit pour les Oilers. Matt Green, Green avec un E à la fin. Je pense que Mike Green aussi, je sais pas si c'est cette année-là. Hey, on va arrêter de niaiser là. Drette dans le milieu. Ok. Bon, change des pouvoirs là, ici. Désolé, ils sont. Je dirais qu'ils sont pas mal durs à ouvrir. Je sais pas si il y a de quoi de bon, vu qu'ils sont durs à ouvrir. Ok, ici on a une base, une autre base, une base, une base, une base. On se décourage pas. Il y a une auto-garantie, au moins. Une base aussi. Oh, on a une auto ici. Oh, Alex Perezogin, c'est sa recrue. Attends, je vais montrer comme il faut. Attends, faut que je sois par là. C'est bizarre la caméra, comment elle fonctionne. Fait qu'on a une Perry Zogan recrue autographiée. 216 sur 250. Ça s'en va à lui que les Canadiens. Authentique recrue. Ça aurait été le fun. Peut-être un meilleur joueur que lui, là. J'espère qu'il n'y a personne qui est en Floride présentement. Ok, ici on a une base, une autre base, une base, une base, une base. Si vous voulez, les bases, là, juste à m'écrire. Ok. On n'a même pas le tiers de la boîte de passer, on se décourage pas. Ah, les paquets sont vraiment. Une base, une base, une base, une base, une base. Ouais, rien tout cassé pour tout de suite. Mais il y a une Future Watch Rookie par boîte, fait que. On l'a pas encore sorti. Future Watch Rookie Auto. Ouais. Trouver une recrue signée dans chaque boîte. Oups, désolé, ça a le coupé. Hein.
que j'étais rendu. Quand je touche pas l'ordinateur, il ferme tout seul. Là, je me suis désolé. Ok, on va continuer. Que je parlais tout seul comme un beau cave. Comme que je disais, il y a au moins une recrue. Oh, on l'a ici. Hein? Et René Bourque. Ok. Lui que Blackhawks, il y a René Bourque. Ici. Ici. Ici, je pense que je vais mettre changer ça. Je suis désolé, l'écran de V est embarqué. Je pense qu'on s'est perdu à peu près un 30 secondes, là, mais il n'y a pas le temps que j'ouvre un autre paquet. Fait qu'on a des bases ici. On va continuer. Ah, les paquets sont vraiment durs. Hein. Fait qu'on a René Bourque, recrue, qui s'en va à Chicago. On va se croiser les doigts, en avoir une autre. C'est donc là juste qu'il y a des bases. Non, c'est ça, faut que je fasse attention, parce que quand ça fait 5 minutes, j'ai pas touché à l'ordinateur, ça ferme tout de suite. Je suis désolé si ça vous avez perdu. Je suis pas sûr si vous avez perdu le courant ou non, là, mais j'espère que non. Je sais que ça avait fait ça dans un de nos premiers breaks aussi. Hey, je suis désolé les paquets là. Voilà. Fait qu'on a un hit pour Chicago, un hit pour Montréal, un hit pour Edmonton. Bon, y a-t-il quoi de bon dans ce paquet là? Encore des bases. On a moins que la moitié de passé, là, fait qu'on se décourage pas. Très décemment, s'il y a juste une Future Watch, là. René Bourque. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Encore toutes des bases. Base. Ah, on a pris de la boîte, là, c'est très décevant. Hein? Une base. Je vais retoucher un peu à l'ordinateur, là, parce que je vais pas me faire avoir comme tantôt. Une base. Bon. Ce serait dû pour de quoi de la fun, là. Base. Et c'est pas que la boîte de merde à date. Base. Mais celle Sydney qui est sur le paquet à date. Une base. Pas de crise d'allure, ça. Une base. Ah, il y a un plus gros ce paquet-là. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose dedans? Une base. Bon, il nous reste 3 paquets. Puis on va pouvoir être fier de dire qu'on va avoir la pire boîte de merde de l'histoire. Voyons, ça n'a pas de style d'allure. Juste des bases. Ok, dernier paquet. Base. Bon. On a un hit pour Chicago, Floride. Peter Tactisek, que personne ne connaît. Fait
que c'est bien décevant. Ceux qui veulent des bases, là, juste à m'écrire. Là. Fait que, on l'a pour Floride. On l'a pour Chicago. René Bourque, recrue. 649-999. On l'a pour Montréal. Puis on l'a pour Edmonton. Fait que j'avais aussi pour plus tard, j'ai une boîte de SPX. Fait que si ça vous intéresse, je vais faire ça plus tard. Ça me dit si vous voulez être tagué. Je suis vraiment désolé. Très déçu de cette boîte-là. Fait que je vous remercie pour tout le monde d'avoir participé. Passez une belle journée.